Bonjour à tous et bienvenue en cuisine. Aujourd'hui, une recette qui sent bon l'été, le tian à la provençale. Pour cette recette, il va vous falloir une aubergine, une courgette verte, une courgette jaune, des tomates, un oignon, de l'ail, quelques aromates et de l'huile d'olive. Première étape, attention les doigts, je vais tailler l'aubergine en rondelles qu'on va faire ensuite dégorger avec un petit peu de gros sel. On va les faire dégorger une vingtaine de minutes. Après l'aubergine, on va pouvoir passer aux courgettes. La courgette verte. Et on termine avec les tomates. On en a maintenant fini avec la mandoline. On va pouvoir tailler notre oignon avec un couteau. Et on termine avec nos gousses d'ail. On va en hacher une partie et l'autre partie va nous servir à frotter notre plat. Comme ceci. Et à présent, je vais pouvoir rincer mes aubergines et le reste de la recette se déroulera dans le plat. Tous nos éléments sont prêts. On va donc pouvoir frotter notre plat avec de l'ail. On répartit le reste de l'ail haché. À ce moment, j'aime bien mettre un petit peu de thym dans le fond de mon plat. Un trait d'huile d'olive, du sel et du poivre. Comme ceci. Et maintenant, le plus drôle commence, on va pouvoir confectionner le tian de légumes. Je commence par répartir un peu d'oignon dans le fond de mon plat. Et ensuite, on va pouvoir alterner les couches avec les courgettes, l'aubergine et la tomate. Courgette verte, courgette jaune. Voilà, je vais pouvoir maintenant mettre quelques herbes. Romarin, thym, laurier, ainsi qu'un peu de sel, un peu de poivre. De nouveau, un trait d'huile d'olive. Voilà. Et on va pouvoir l'enfourner pendant environ une heure à 180 degrés. Ça sent bon. Le mariage de ces légumes d'été sera parfait pour accompagner soit un poisson, soit une grillade avec le barbecue. Il me reste à me régaler et à vous dire à très vite sur Cuisine AZ. Salut.